Jovenel Moïse. Nouvelle là, li fait un bon, mais j'aime capable dire en gros français. Côté grand média colombien que tout le monde connaît sous nom Noticias Caracol qui révélé implication présumée Premier ministre Claude Joseph dans l'assassinat président Jovenel Moïse. C'est qui visait que enquête t'a dû l'ouvrir et mener sous lui. Journal là, média, li fait qu'on est. Gain preuve qui montrait gain lien que Premier ministre AI à Claude Joseph dans l'assassinat que commando sa fête sous chef l'État. Dans la nuit, mardi 6 pour l'ouvrir mercredi 7 juillet. Dans l'idée de coopérer avec l'autorité haïtienne. Noticias Caracol dit, les gains ont ensemble d'éléments de formation qui révèlent. Média avancé pour le dire. Gain 3 parmi militaires colombiens qui arrêté yo, qui semblait lié implication Premier ministre Claude Joseph dans une démarche relative pour assassiner chef l'État. Et démarche ça, yo pas bay qui l'elle te commencé. Assassinat président Jovenel Moïse a commencé et planifié dans le mois de novembre 2020 dans un local, dans un bâtiment qui logeait siège social CTU, Security à Miami, Miami dans les États-Unis. Dans la réunion, ça, le journal a rapporté. Et il y a un Vénézuélien Antonio Itriago, propriétaire entreprise, manager colombien, à Candiel Pretel, haïtiano-américain, James Solage et un diplomate haïtien que tout le monde connaît sous nom famille Ascad, médecin haïtien qui est déjà capturé, qui c'est Christian Emmanuel Sanon, et colombien Télatou Jonathan Rivera Garcias, c'est ça journal là lui-même l'a dit. Révélation et le journal là précisé que participants ça monde qui était dans réunion ça qui t'a fait dans Miami hein, il était prévoit dans moment dans réunion ça puis il était enlevé président Jovenel Moïse puis prend pouvoir et laissé comme président Claude Joseph, qui est actuel Premier ministre pays. Autorité haïtienne et enquêteur FBI ont considéré Premier ministre AIA comme une figure de poids dans le crime. Ça. Bon côté Dr. Christian Emmanuel Sanon et John Joel Joseph, ancien sénateur, et Guillaume, ancien sénateur, désormais qui prend la fuite, c'est ça, mais qui prend la fuite, on dit bien ancien sénateur ça, et qui, je dis à la police, a cherché le couche fou. Ils ont souligné pour dire que, dans la nuit qui était mercredi 7 juillet, dans le matin 7 juillet 2021, le Premier ministre Claude Joseph, il était premier acteur, première personnalité politique, qui, bon côté d'un gouvernement, qui était confirmé que chef de l'État l'a assassiné dans la résidence privée, qui trouvait dans le PNR 5, par un ensemble de mercenaires qui t'a parlé plusieurs langues étrangères, parmi eux, anglais et espagnol, c'est parmi les langues qui t'a parlé. C'est ça, journal dominicain. Colombien, ça, lui-même, lui rapporté. Voilà. Qui dit que, mais Claude Joseph, comme Premier ministre, lui a gagné une présumée implication, là, non, ça, qui rivea, dans la mort, président Jovenel Moïse. Jeanne d'Abdilala, nous prenons avec ingénieur géologue Claude Prepti, qui prenne vraiment partager avec nous, dit nous exactement en termes d'information. Bien, t'es à qui tremble matin là, dans le sud fond parisien, environ 5h01 matin. Qui ça qui provoquait ce coup ça matin? Hein? C'est ça, nous prenons regarder avec ingénieur Claude Prepti et garder tout l'autre information avec surtout concernant. Eh bien, mouvement, ça, mouvement, qu'a fait dans le niveau plaquio qui, jusqu'à présent, que, nous, toujours, gué pour été sous vigilance, qui était sous alerte, pour ça. Nous, voilà. Nous, gué avec nous, et, ingénieur géologue, Claude Prepti, qui prêle, regardez avec nous, matin, là, Théa qui tremblait, environ 5h01, non, matin. Ingénieur Claude Prepti, ou son antenne radio méga, non, journal méga matin. Son plaisir pour nous, gué, au matin, en point de fond, parler. Bonjour et bonjour à toutes auditrices et auditeurs de Radio Méga. Bonjour à tout le panel là et merci de cette élément pour une bonne information. Nous apprenons que matin on était à Tremblay, environ 5h01. Qui côté exactement et on dit formation ça lui-même fait et puis là et qui ça provoqué le matin, ingénieur? Bon, effectivement, on était à Tremblay aujourd'hui de 5h01. Donc il y a un peu de monde qui sentit, moi même personnellement je me sentir, parce que je me fais que j'ai. Pour la suite, ma cherche information, moi que magnitude là, bon, il y a plusieurs réseaux dans le monde qui bat information, donc information variée. La magnitude comprise entre 3.8 et 4.4. Bon, nous-mêmes, on était un réseau avec des ruches en Haïti qui bat 4.2, donc nous étions à 4.2, parce qu'il est beaucoup plus proche de la zone là. Et ensuite, ça va dépendre tout de qui magnitude local. Calculer. Donc, magnitude 4.2 sur l'échelle de Richter, du fait à très faible profondeur, jusqu'à 16 km,
Et puis, ça, là, nous calculons, nous voyons qu'il est à peu près à 13 km au sud-est de Fonds Parisien et à 11 km au sud-est de la source. La source, c'est une localité qui est dans la zone Fonds Parisien. Donc, son épicentre qui est localisé pratiquement sous frontière haïtienne-dominicaine. Parce que l'épicentre, il y a 5,6 km au nord-ouest de Timani. Donc, c'est tout près de la Caseïa, son zone qui compte secouer tout le temps. Donc, nous avons enregistré un pile de secousses sismiques dans la zone ça, parce que bon segment de faille qui passait dans la zone là, et qui est très active, donc, a bâti secousses. Segment de faille, ça cap. Segment de face à Kabati Sekoustan là, est-ce que ça dit que c'est une zone que nous-mêmes à travers Bureau des Mines, la question, ça, nous souvent mettons focus sur lui, puisque nous connaissons, j'en dis là, toujours Kabati Sekoustan. Bon, nous focus sur toute faille active, hein, sur toute faille Kabati Sekoustan, toute faille qui a bougé, qui a un taux de déplacement, nous focus sur eux. Regardez. Mais, malheureusement, nous ne sommes pas capables de dire exactement qui l'a rompu pour secousse. Donc nous focus sur lui, chaque mois nous sortons un bulletin, nous avons des informations, c'est qui se cause que nous enregistrons. Donc nous avons suivi l'évolution de l'AIO, mais le problème c'est pas la clé, l'information c'est une, mais attitude pour gagner par rapport à tremblement de terre, ensuite préparation pour gagner la caille ou tout, loi vivre dans son actif sismiquement. C'est ça qui est important pour nous-mêmes, parce qu'on n'est pas capable de prendre un killer quoi pour un pigou secousse. En garde la petite boulot. Au niveau, niveau construction et au niveau comportement pour nous travailler. En garder ça au comportement de gagner dans niveau construction autour et surtout le monde qui a vu dans zone à côté faillot qui a créé un mouvement qui comportement de la de gagner comment ça t'a de fait avec mon tout bon comportement c'est qu'on est qu'on a vu dans zone électrosismique et que le secousse a fait trouver cette secousse là bien des attitudes pour gagner pour pas paniquer par exemple ou senti qu'elle a tremblé avec vous et puis ou t'es un long étage et vous allez en bas. Donc, il y a des côtés pour aller, pour cacher, si vous êtes capable de cacher, ou bien il y a des côtés pour aller placer le corps dans le cas là. Là où il y a une bonne attitude, c'est pas cool, en train de bon cas, il y a un peu de cacher sous. Il y a un bon lambeau, il y a un tremblement de terre fait, sauf qu'il y a un lambeau, capable de faire un tsunami. C'est pas le moment du tout pour être bon lambeau. Donc, c'est dans l'école, il y a un petit monde dans l'école, donc il y a une bonne attitude pour rien, c'est l'hôpital. Donc, chaque côté qu'il y a une bonne attitude, un comportement. Et comportement ça, c'est à partir de formations, à partir de exercices de simulation que vous faites dans l'école, yo, la, pour la population gagne tout. Donc, attitude ça, il faut qu'il y ait dans nous-mêmes, donc il faut que nous lever avec, il faut nous vivre avec ça, yo, parce qu'il y a tout existé, il y a besoin de disparaître. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec eux. Et apprendre à vivre avec eux, c'est qui comportement, qui consigne de adopter. Jovenel Moïse. Nouvelle là, li fait un bon, mais j'aime capable de dire en gros français. Côté grand média colombien que tout le monde connaît sous nom, Noticias Caracol qui révélait implication présumée Premier ministre Claude Joseph dans l'assassinat président Jovenel Moïse. C'est qui visait que enquête a dû l'ouvrir et mener sous lui. Journal là, média, li fait qu'on est. Gain preuve qui montrait gain lien que Premier ministre AI à Claude Joseph dans l'assassinat que commando sa fête sous chef l'État dans la nuit mardi 6 pour l'ouvrir mercredi 7 juillet. Dans l'idée de coopérer avec l'autorité haïtienne. Notikias Caracol dit, li gen ensemble d'éléments de formation qui révélé. Média avancé pour le dire. Gen trois parmi militaires colombiens qui arrêté yo, qui semblait lié implication Premier ministre Claude Joseph dans une démarche relative pour assassiner chef l'État. Et démarche ça, yo pas ba ki l'a commencé. Assassinat président Jovenel Moïse a commencé et planifié dans le mois de novembre 2020 dans un local, un bâtiment qui logeait siège social CTU, Security à Miami dans les États-Unis. Dans la réunion, ça, le journal l'a rapporté. Et t'es gagné Venezuelan Antonio Itriago, propriétaire entreprise, manager colombien. Akangel Pretel, haïtiano-américain, James Solage et un diplomate haïtien que tout le monde connaît sous nos familles Ascad. Médecin haïtien qui est déjà capturé, qui c'est Christian Emmanuel Sanon. Et Colombien Télatou, Jonathan Rivera Garcias. C'est ça, journal là lui-même, l'a dit. Révélation, et bien, journal là précisé que participants à monde qui était dans la réunion, ça qui t'a fait dans Miami, il était prévoit dans moment dans réunion ça puis il était enlevé président Jovenel Moïse puis il prend pouvoir et laissé comme président Claude Joseph qui est actuel premier ministre pays autorité haïtienne avec enquêteur FBI yo considéré premier ministre
il y a comme une figure de poids dans crime ça. Bon côté docteur Christian Emmanuel Sanon et John Joel Joseph, ancien sénateur, et qui ont ancien sénateur désormais qui prend la fuite, c'est ça, mais qui prend la fuite, on dit bien ancien sénateur ça, et qui, je dis à là, la police a cherché le couche fou. Je souligne pour dire que, dans la nuit qui était mercredi 7 juillet, dans le matin 7 juillet 2021, le premier ministre Claude Joseph, un bel était premier acteur, premier personnalité politique, qui, bon côté d'un gouvernement, qui était confirmé que chef de l'État l'a assassiné dans la résidence privée, qui trouvait dans la pénurie 5, par un ensemble de mercenaires qui tapent pas les plusieurs langues étrangères, parmi eux, anglais et espagnol, c'est parmi les langues, ils tapent. C'est ça, journal dominicain, colombien, ça, lui-même, lui rapporté. Voilà. Qui dit que, mais Claude Joseph, comme premier ministre, lui a gagné une présumée implication, là, non, ça, qui rivait à, non, la mort, président Jovenel Moïse. Jeanne d'Abdilala, nous prenons avec ingénieur géologue Claude Prépti, qui prenons vraiment partager avec nous, dit nous exactement en termes d'information. Bien, t'es à qui tremble matin là, dans le sud de fond parisien, environ 5h01 matin. Qui ça qui provoquait ce coup ça matin? Hein? C'est ça, nous prenons regarder avec ingénieur Claude Prépti et garder tout l'autre information avec surtout concernant. Eh bien, mouvement, ça, mouvement, qu'a fait dans le niveau, plaquio, qui, jusqu'à présent, que, moun, toujours, gué, pour été, sous vigilance, qui était sous alerte, pour ça. Nous, voilà. Nous, gué, avec nous, et, ingénieur, géologue, Claude Prépti, qui prêle, regardez avec nous, matin, là, t'es à qui trembler, environ 5h01, non, matin. Ingénieur Claude Prépti, ou son antenne Radio Méga, dans le journal Méga matin, son plaisir pour nous, gué, en matin, pour nous faire parler. Bonjour et bonjour à toutes auditrices et auditeurs de Radio Méga. Bonjour à tout panel là et merci de lever les mains pour une bonne information. Nous apprenons que matin, on était à Tremblay, environ 5h01. Qui côté exactement et on dit formation ça a même fait et puis là et qui ça provoqué le matin, ingénieur? Bon, effectivement, on était à Tremblay aujourd'hui de 5h01. Donc, il y a un peu de monde qui sentit, même personnellement, je me sentis, parce que je me fais réveiller. Et par la suite, je cherche information, moi que magnitude là, bon, il y a plusieurs réseaux à travers le monde qui bat information, donc information variée. La magnitude comprise entre 3.8 et 4.4. Bon, nous-mêmes, il y a un réseau avec des ruches en Haïti qui bat 4.2, donc nous étions à 4.2, parce qu'il est beaucoup plus proche de la zone là. Et ensuite, ça va dépendre tout de qui magnitude locale. Calculé. Donc, magnitude 4.2 sur l'échelle de Richter, du fait à très faible profondeur, jusqu'à 16 km. Et puis, ce temps, là, nous calculons, nous voyons qu'il est à peu près à 13 km au sud-est de fond parisien et à 11 km au sud-est de la source. La source, c'est une localité qui est dans la zone fond parisien. Donc, son épicentre qui est localisé pratiquement sous frontière haïtienne-dominicaine. Parce que, et puis, ce temps, il est à 5.6 km au nord-ouest de Timani. Donc c'est tout près de la caseïa, son zone qui comme secouée tout le temps. Donc nous avons enregistré un pile qui secoue sismique dans la zone ça, parce que bon segment de faille qui passait dans la zone là et qui est très active, donc il y a secousse. Segment de faille ça cap. Segment de faille ça cap bâti secousse là, est-ce que ça dit que c'est une zone que nous-mêmes à travers Bureau des Mines, la question ça, nous souvent mettons focus sur lui, puisque nous connaissons, j'en dis là, toujours bâti secousse. Bon, nous focus sur toute faille active, hein, sur toute faille qui a bâti secousse, toute faille qui a bougé, qui a un taux de déplacement, nous focus sur regardez. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de dire exactement qui a bon pic ou secousse. Donc nous focus sur lui, chaque mois nous sortons un bulletin, nous avons des informations, c'est qui secousse que nous avons enregistré. Donc nous avons suivi l'évolution de l'AIO, mais le problème, ce n'est pas la clé, l'information c'est une. Mais attitude pour gagner par rapport à tremblement de terre, ensuite préparation pour gagner la caille ou tout, l'on vivre dans une active sismiquement, c'est ça qui est important pour nous-mêmes, parce qu'on n'est pas capable de connaître qui le croit pour un pic ou secousse. En garde attitude. Au niveau construction et au niveau comportement pour nous travailler. En garde ça au comportement de gagner au niveau construction tout, et surtout le monde qui a vu dans une zone à côté faillot qui a créé un mouvement, qui comportement de gagner, comment ça t'a de fait avec mon tout. Le comportement, c'est qu'on est qu'on a vu dans une zone sismique et que le secousse a fait trouver cette secousse là, il y a des attitudes pour gagner. Pour ne pas paniquer, par exemple, tu as senti qu'il y a un tremblement avec vous et puis tu as un étage et tu es en bas. Donc, il y a des côtés pour aller, pour te cacher, si tu es capable de cacher, ou bien il y a des côtés pour aller placer le corps dans le cas là.
gens là où ils ont eu fort bon attitude, c'est pas courant, c'est un bon cas, et puis qu'à la balle, quand je suis, c'est bon, l'homme, mais qu'on a eu, comme le monde a fait, sofa, qui est là, mais capable de faire tsunami, c'est pas le moment du tout pour être bon, mais. Donc, c'est dans l'école, quand il y a tout le monde dans l'école, donc, il y a une attitude pour rien, c'est l'hôpital, quand il y a chaque côté qu'on y a, une attitude, un comportement. Et comportement, ça, c'est à partir de formations, à partir de exercices de simulation que pour faire dans l'école, nous, là, pour population, gain, tout. Donc, attitude, ça, faut qu'il y ait dans nous-mêmes, donc, faut que nous lever avec, faut nous vivre avec ça, y a, parce qu'il y a tout existé, il y a besoin de disparaître, donc, faut qu'on apprenne à vivre avec eux. Et après, avec eux, c'est qui comportement, qui consigne de adopter le bail à la fête.